programme dans la langue créole haïtien avec le grand point cap dominé actualité. Actualité à concernant pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition qui pourrait faire expérience présidence tout notre là, réuni à Conseil des ministres gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Actualité dans la région Moyen-Orient, Israël exprimé opposition jeudi devant décision Washington prend pour camper assistance militaire devant menace état hébreu pour mener une grosse opération dans ville Rafah. Et puis ici aux États-Unis, manifestation étudiants pro-palestiniens a continué dans quelques campus universitaires. C'est pour ça, yo. Avec l'autre quoi, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Bonjour, bonsoir à tout le monde de Madame Manaki, qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo La Voix de l'Amérique, ça qui nous porte pour aujourd'hui. Déjà, nous nous bienvenue sur channel là pour une nouvelle vidéo La Voix de l'Amérique, ça et parmi quelques points, n'a bien pour nous ouais après édition La Voix de l'Amérique là et bien après qu'on est. ESPN 17 qui c'est syndicat de la police nationale d'Haïti et bien yo fini avec DG France LB et bien Edley Hyacinthe Comet en pile zak dans zone côté lui-même l'a dirigé et bien yo mandé révocation bien rapide avec France LB lui-même qui est incapable dans tête police nationale d'Haïti. Arrêtez branché pour pas manquer rien dans vidéo ça. Soldat américain qui vient arrestation dans pays là aussi a et bien vol là yo même yo te voyager dans sans autorisation. Arrêtez tout en pile détail de l'autre côté n'a faut qu'on ait inondation dans site Brésil au moins 100 moun yo même yo ta déjà perdu la vie en bas inondation si là les même qui passé Robinson Alphonse remporté prix Percy Kobosal et bien dit journaliste étranger de l'année rete pour capable découvrir personnalité ça les même dans vidéo ça urgence humanité qui gagne en Haïti a venu et bien plus grave chaque jour et bien qui dépassé selon ça au chat les même les fait connaître sous dossier si là et puis BRH tout les même li mette bilan de yo ou saisi dans des Gracia Delvate devant juge et bien nous chargé là koue ki sa nou pa konnen et bien nou pa parler trop n'a plago nan voix de l'Amérique là et bien devant n'a venir avec détail. Oh, actualité pendant d'abord dans pays d'Haïti côté que conseil présidentiel transition qui sur route pour faire une nouvelle expérience sur expérience présidence rotative ou bien tournante et bien te réuni à conseil ministre gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre cour supérieure des comptes à contentieux administratif c'est une parmi et décision que prend nous gain sur place Yves Manuel. Madame juge Cour supérieure des comptes à contentieux administratif yo renouvelé jusqu'à ce que remplacé yo conformément à la loi. C'est là une décision qui a adopté en conseil ministre Edgar Leblanc fils présidé à Emekouzian. Sous présidence Edgar Leblanc fils, gouvernement renouvelé tout l'état urgence là sous pays d'Haïti pour un mois. Pendant conseil ministre là, ministre commerce là Ricardin Saint-Jean nommé comme ministre intérieur pour un petit bout de temps. Décision ça fait suite à refi premier ministre à Ian Patrick Boisvert pour assumer responsabilité ça à cause volume travail qui gagne sur compte lui actuellement dans le ministère économie et finance. En prise décision ça yo, autorité yo renouvelé tout mandat commission nationale marché public yo. Pendant conseil ministre ça gagne diverses lots décisions qui prend tant que grand noir inondation frappé dans jeu qui saute passé là yo disposition pour faire propter dans certaines zones dans région métropolitaine Port-au-Prince là et puis disposition pour 18 mai cap marqué 221 ans depuis drapeau a créé parallèlement conseil yo pas arrivé sien à mercredi en entente sous présidence sonant là avec majorité 5-7 là à cause présence pour quoi elle est là de Smith Augustin dans présidence sonant là nouvelle a tombé gambonnet dans matin jeudi hein. Fritz Alphonse Jean décidé se déplacer à Smith Augustin qui était voulu porter président sonant là dans CPTA à 5 présidents au lieu de 4 présidents Jean s'était décidé avant. Selon discussion qui en cours dans conseil présidentiel là, Edgar Leblanc fils a dû passer 5 mois dans tête conseil là, ensuite Smith Augustin puis Leslie Voltaire. Mais Gérald Gilles tape gain pour boucler président sonant là et il capable seul bénéficier d'un mandat 6 mois de gouvernance. N'a souligné dans ça qui concernait processus de choix premier ministre transition hein. Plusieurs candidats déjà fait des propositions dans le conseil là. D'ici semaine qui a venu là, conseil là tarué, tant mais analyse dossier premier ministre Abio. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Fon dit que grand pile réaction qui continue à tomber sous conseil présidentiel de transition et gain même courant qui toujours a demandé pour y aller dans cour de cassation. Cependant, gagne diverses représentants organisations dans Jérémy dans département Grandas qui bail Avio sous conseil présidentiel là. Nous gain sous place Mackinson Charles. Depuis après décision, majorité membre dans conseil présidentiel la prend pour mettre Edgar Leblanc fils comme président conseil là. Discussion yo continue dans mitan membre conseil yo pour joindre une entente à crise qui gagne dans mitan conseil là. Coordonnateur organisation pour changement de la vie dans Grandance, Jean-Hérard Monsignac, estime c'est une bataille pour pouvoir qu'a fait en dans conseil là au lieu conseiller yo régler affaire pays. Moi même constate pas gain bataille pays à terre, c'est plus bataille pouvoir qui gagne à terre. En tant que moun k'ap mené bataille politique, en tant que agent de développement qui t'a besoin de développement fait en dedans pays là. C'est comme ça moi-même moi j'ai plus bataille pour voir que bataille pour résoudre
problème pays. Pi loin, monsieur Moussignac m'a déconseillé ou mettez sous côté tout intérêt personnel pour accrocher avec l'idée pour capable avancer avec pays. La bataille qui était là, Haïtien supposé vigilant. Si tout le monde est dans le conseil, il est supposé vigilant. Pour mettre la bataille pouvoir d'un côté, mais pour faire tout ça, on est pour entendre entre eux. Pendant que vous n'avez pas connu, c'est ni OPL, c'est ni Lavalas, c'est ni Convergence, c'est ni Makout, c'est ni PHTK, mais pour vous connaître, c'est Haïtien. Et puis pour vous prendre disposition à l'haïtienne pour résoudre la crise là. Parce que si le conseil là, on va essayer de le régler, soit qu'on fait la réponse, ou qu'on fait. Ou après, vous venez là, vous campez le conseil là, vous mettez un président, un premier ministre, vous faites des routes, et puis vous y allez même, vous dites en avant. Marie-Mi Duverger, spécialiste dans la gouvernance éducative et planification numérique, en même temps consultant dans le réseau Combit Femmes Gradance, estime qu'il n'y a pas respecté le quota femmes là dans la question du conseil présidentiel là, pendant qu'il demande l'intégration 50% femmes dans le gouvernement qui peut monter là, et représentation femmes dans tout niveau dans la question politique pays. Je dis, nous voyons comment vous exprimez dames, femmes leaders dans la gouvernance pays. Là, nous constatons que le conseil présidentiel vient 9 membres. Nous jouons une seule femme pourtant qui n'a pas pris une décision. Nous disons comme ça, conseil gouvernement pour aller monter là. Nous demandons que les femmes participent dans tout niveau. Et il faut que 50% de femmes qui ministrent, nous répétons encore. Il faut que 50% de femmes qui ministrent, les femmes leaders pour nous mener. Pas quitter le passé nous la bêtise, pas quitter le piétiner nous. Et choix si nous devons faire dans tout le pays. Nous avons dit aux populations de l'État après des temps, qui ça conseille après le faire pour établir la sécurité dans le pays, pour une façon pour nous capables de circuler et entrer dans la capitale pays, Jean Satekonier avant. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. Et puis pendant ce temps d'accord correspondant nous Yves Manuel so dit nous et ben il y a plusieurs monde et plusieurs personnalités qui a fait des propositions pour capable venir tourner premier ministre parmi eux qui met Iswick Théophile nous qui sur place en Port-au-Prince ou dans tout ça. Groupe Mounsayo fait partie plusieurs instituts organisationnels parmi eux organisation développement et intégration moun marginalisé yo ak Union nationale étudiant en Haïti qui constitué secteur jeunesse haïtien qui supportait M. Iswick Théophile, un membre équipe Montana pour poste premier ministre qui t'a dû remplacer officiellement Dr. Ariel Henry d'après Lens Simonis, coordonnateur général secteur jeunesse haïtien. Nous fait des propositions et nous bien accusé réception nous dans nous là. Côté que dit yo recevoir document dans nous. Donc nous déposons ensemble de 18 pièces, nous t'es même parce que était bloqué nous pour certificat de nationalité. Nous sommes mal avec carnet scolaire depuis première année jusqu'à philo. Nous allons avec procès verbal de fin d'études. Il y a une façon pour ne pas dire mettre au fin par haïtien. Parce que mettre au fin pour quoi même ces domaines, mettre au fin pour quoi aller. Même ces domaines, c'est un vrai patriote. Un patriote censé, un vrai nationaliste. Et nous avons besoin d'un niveau ça pour aider les jeunes, pour charrier, pour aider les jeunes. Cap couille quitter pays et puis pour charrier ensemble des revendications populaires. Bon côté parle, Saint-Just Wilskind, membre commission secteur jeunesse haïtien, mandé conseil présidentiel transition agir vite à processus là pour capable débloquer situation en Haïti. Nous même au niveau secteur jeunesse haïtien, nous dit faut conseil présidentiel de transition ça commencer passer à l'action. Faut qu'on suspende faire dilatoire. Population li pa ka supporter encore moun ka viv dans abri provisoire yo pa ka supporter encore c'est la famine c'est insécurité alimentaire sous toute forme c'est question corruption c'est question chômage côté que gen des jeunes diplômés dans pays qui pa ka fonctionner c'est question et fuite des valeurs j'en t'a dit tout à l'heure côté que nous gen des valeurs intellectuelles qui obligé quitter pays a pour aller chercher un mieux être dans pays Chili dans pays Brésil nous pas qu'à supporter encore secteur jeunesse là plaidé en faveur tout mise en place organe action contrôle gouvernemental là au CAG pour capable éviter gaspillage dans l'argent à bien l'état haïtien Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Après, on est toujours dans Port-au-Prince pour nous parler de justice. Plusieurs employés dans le Sénat haïtien ont manifesté devant prison civile. Femme qui, dans le dimanche, pour demander libération secrétaire général institution, Mme Marinelli Verpil-Broyer. Machado Villemay, depuis Port-au-Prince. Selon employé protestataire, Mme Boyer n'a pas rien pour dire dans le détournement de l'argent et le matériel de l'État. Finalement, il a dit qu'il a arrêté Mme pour corruption, mais qui est hautement négatif. Parce que Mme Boyer est engagée le Sénat de la République à partir de mai 2023 à avril 2024. Juge-là pour attendre elle sous le dossier ça. Et c'est Mme Boyer qui a invité l'ISCC pour venir faire un rapport sous le Sénat dans l'ancienne administration qui est passée. Mais nous-mêmes, c'est le régime de Mme Boyer.
Maintenant, Madame Boye, la caillou, vous l'avez reposé, vous l'avez remettre semaine prochaine pour le vaquer à la population. Madame Boye, madame Boussou, classez madame qui écrit ILCC. Comment faire celle-là arrêter? Madame Boye, 11 mois, 9 jours. Madame Boye, 11 mois, 9 jours, c'est. Et comme si ma porte au plein, et puis tout le monde m'a porte au plein, pas comme si vous. Madame Natou lui-même, n'a pas un paquet de machines là-même. Il n'y a pas un paquet de dans là-même. Madame n'a pas acquis les nègres. Automatiquement, il faut acquis les nègres. Il faut acquis madame. Il n'y a pas de marée volée. Volée à c'est pendant avocat qui a défendu madame Boye dans quatre dossiers ici là fait qu'on ait prêté ton avis commissaire gouvernement pour madame Boye capable de quitter prison. Maître Lucien Joly a bas détail. Et nous avons déposé une requête en main levée. Et effectivement, le commissaire du gouvernement a rendu une conclusion après que requête en main levée et yo agréé. Et le juge d'instruction a rendu une ordonnance et pour pouvoir procéder à la libération de madame Boye. Nous sommes pas devant la prison civile et des femmes d'Adelma et en attendant la libération et de la dame Marie Nelly Verpilvoyer soit effectuée convenablement. Il y avait une erreur dans ordre de mise en liberté. Il y avait une erreur. Nous allons rectifier ça auprès du parquet de Port-au-Prince. N'après après, juge estricté, mais l'ambelabre a ordonné arrestation secrétaire général Sénat haïtien Marie Nelly Verpilvoyer de me passer après le téléphone dans le cadre d'enquête ULCC sous quatre débits avec gestion machine dans le Sénat. Cependant, dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux, tu as montré Mme Boye qui a quitté prison sous applaudissement, employé scénario. Toutefois, avocat secrétaire général Sénat haïtien dit que les liens a prêté à la disposition de la justice. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilmé pour faire Wak Creole. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, il y a l'armée américaine qui déclarait hier mardi 8 mai, il a commencé par retirer pour arriver en Haïti, force multinationale que Kenya pral diriger pour contrecarrer activité gang qui lague pays a dans une souffrance économique et une crise humanitaire grave. Commandement sud États-Unis a coordonné plusieurs vols avions militaires américains qui atterrit dans l'aéroport international. Tout c'est l'ouverture d'après une note pour la presse qui sortit dans l'armée. Note là dit tout personnel ça pral travail ensemble avec dirigeants aéroport haïtien yo pour bail sécurité pour équipement et l'autre matériel qui rivait dans pays d'Haïti. Mission ça a vinn possible grâce à effort sans arrêter parti concerné haïtien yo qui a cherché kembe aéroport à l'ouvrir et puis qui tel fonctionner et puis d'après un contact que AFP était prend avec responsable haïtien et bien groupe Kenya yo bien contingent 200 policiers Kenya a bien pour arriver 23 mai 2024 dans pays d'Haïti ou sous VOA créole suivre programme dans langue créole haïtien. Ou toujours souvenez ou à créole, ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Merci d'être choisi nous pour informer. Et qu'on y a, nous parlons dans l'actualité internationale là, nous parlons dans la région Moyen-Orient, côté que gagne toujours gagné. Et actualité, eh bien, Israël fait que objection à annonce États-Unis fait pour deal la suspendre livraison Zambali si li menait vraiment opération dans Rafah. Jean-Robert Philippe, à suivre pour nous, Jean-Robert Média américain, rapporté que Israël gagne à réfléchir en pile devant pression que Washington a fait sous lui concernant opération, gros opération. Que vous voulez mener dans Rafah. Alors, effectivement, Jacques Léon dit, c'est l'ambassadeur israélien aux États-Unis qui fait annonce, là, qui dit que Israël fait objection avec en fait, déclaration que les États-Unis font pour dire qu'ils suspendent les armes pour opérer sur la mener l'autre bois. Donc, il dit que d'abord, il connaît les gens que les États-Unis supportent pendant la guerre et que pour eux-mêmes, c'est une surprise parce que pas d'attendre avec une déclaration pareille. Donc, le cabinet guerre israélien, en fait, si vous pas réuni déjà, vous pour réunir justement pour réévaluer le dossier, réévaluer la présence même dans l'affaire, une façon pour eux, dans qui mesure capable et plaire aux États-Unis pour que les États-Unis ne prennent pas de décision. Il dit qu'il n'est pas bon pour eux. Dans ce qui semblait augmentation de pression dans la guerre Israël menée dans le territoire Gaza, l'administration Biden a suspendu temporairement la livraison d'armes pour Israël. Annonce a fait dans le moment qui a sauté sous plan nation hébraïque pour étendre l'opération militaire menée dans la ville Rafah, une décision que les États-Unis n'ont pas supportée. Mois avril passé, l'administration Biden a averti que les États-Unis ont supporté la guerre Israël là, à moins que les franchissent étapes concrètes pour protéger les civils. Avertissement ça n'a pas empêché Israël lancer une opération militaire dans la ville Rafah, partie sud territoire Gaza, à côté plus passé 1 million de monde pour refuge. Mercredi 8 mai, le ministre de la Défense états-unien Lord Austin a fait annoncer là. Currently reviewing some near-term security assistance shipments
in the context of the actuellement, unfolding events. Actuellement, on a livraison assistance à court terme que n'a bail Israël dans le contexte dernier événement qui a passé dans ville Rafah. C'est la première fois depuis l'attaque 7 octobre, militant Hamas a été lancé sur Israël. États-Unis mettait en question livraison d'armes à bail Israël pour aider le gourmet avec militant Hamas. Le groupe d'Azumeo a longtemps depuis a demandé aux États-Unis suspendre transfert des armes à Israël, lui a accusé qu'il a utilisé en violation avec loi humanitaire. Membre progressiste parti démocrate là dans le Congrès américain a accueilli suspension mais républicain yo tant que Lindsey Graham critiqué. You want to micromanage the war? You know, we dropped two atomic bombs. Les États-Unis ont lâché deux bombes atomiques sur Hiroshima avec Nagasaki au Japon après attaque Pearl Harbor. Est-ce que gen moun aux États-Unis ça te bail problème? Mais les Américains ont rapporté semblé Israël a réfléchi à une opération l'a mené dans ville Rafah après annonce États-Unis. Première fois États-Unis étaient considéré faire une pause sur livraison d'armes, c'est là Israël était presque prend décision sur Rafah d'après une responsable replacée administration. Étant donné que Israël pas prend en considération totalement souci États-Unis gagné, eh bien administration a été décidé semaine passée à camper sur livraison d'armes là-bas Israël. Jobe Philippe, VOA Creole, Washington. Et bien, après, toujours dans un dossier qui a rapport avec guerre Israël-Hamas, il y a deux membres du Congrès américain qui devaient porter support aux étudiants qui ont manifesté en faveur de Palestine dans Georgetown University après que la police ait mis étudiants dehors dans le camp sous le campus de l'école et ont été arrêtés plusieurs douzaines là-dedans. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Hier mercredi 8 mai, deux membres Congrès américains, qui sont deux démocrates progressistes, Stephen Poté Supoyo et mettaient tête ensemble avec un groupe étudiant université George Washington pour dénoncer action la police là qui était déblayé un camp étudiant qui était en battante sous campus universitaire et arrêté plusieurs douzaines manifestants pro-palestiniens. Sous marche escalier Capitole américain, député Cory Bush ensemble avec représentant Rachida Tlaib, qui est première femme palestinienne américaine en Congrès, te prend la parole en faveur étudiants manifestants pro-palestiniens. Représentant démocrate état Missouri, député Cory Bush te dit: "Students are protesting all across the country because they believe our government élèves ont protesté tout partout dans le pays parce que yo croient que le gouvernement nous a échoué. Ils ne pas reconnaître que tout le monde c'est humain. Ils ont protesté, manifesté parce que yo pas d'accord avec silence et complicité gouvernement nous sous la mort au moins 35 000 Palestiniens. Ils ont protesté contre complicité gouvernement nous dans un génocide, une crise humanitaire à grand goût maladie avec l'autre souffrance." Représentant Rachid Atlaï, de prendre microphone, il a lancé slogan: "Gardez ça, élèves ça yo a demandé pour sauver la vie, quelle que soit la foi ou soit ethnicité. Moi senti ça, c'est un bagage que yo complètement ignoré. Pour que ça yo de yo là, c'est peut-être ça nous fier pour nous servir à position nous comme élus, pour nous porter voix aller, pour nous tout pas oublier pour qui ça gain camp attente et pour qui ça gain mouvement ça yo à travers pays ça. Kali c'est un élève dans George Washington University. I've watched my fellow students, my close friends. Moi te wè camarade étudiant moi yo, zami proche moi yo. La police te frité yo à gaz. Yo te rache foula yi habi nan kou yo, jete yo à terre. Yo te marre mais sous chaise roulante yo. Yo te frappé tête yo contre chaise bicyclette tellement fort que lunette yo crasé. Force police yo a fait ça, moi certain c'est parce que yo wè que Rafah toujours pas qu'on envahi. Myriam lui-même c'est un élève juif dans George Washington University. While our universities in DC have been subject pendant que l'université nous en Washington DC yo te si brutalité pas gain yon seule université qui était campée dans Gaza. Mouattal Salim, yon étudiant palestinien américain qui a vécu aux États-Unis depuis 10 l'année, il prend la parole tout lui-même et il te dit: "You shut down our encampment. Sure. Well done. Ou fait mec nous bon travail. Ou n'y a lycée yon la cour qui pas gain rien la donne. George Washington University ou bien fait lui président Ellen Gunberg. Ou fait bien pas vrai ou détruit yon bel espace communauté qui était bâti sous l'amour. Nous fait craser kan nou yo avec violence, pas gain problème. N'a retourner. Moi promets tout n'a retourner pirade et n'a wè libération Palestine. Moi promets tout ça." Étudiant palestinien américain Mouattal Salim te dit que li perdu même famille dans la guerre dans Gaza. Li promet étudiant que la retourner continuer manifestation yo contre condition yo dans Gaza pendant à peu près 10 semaines dans kan yo sous campus George Washington City a ambiance était très tranquille. La police est débarquée hier mercredi a écrasé quand dans la nuit là et yo arrêté 33 étudiants. Administration George Washington University a averti étudiants yo que était doit suspendre continuer faire campement acte tenture sous la cour universitaire. Manifestants qui était porté pancarte qui dit libérer Palestine a retiré main nous sous Rafah, yo était marché, yo t'al campé devant caille président universitaire madame Ellen Greenberg en dedans l'école là dans la veille dans mardi soir. Depuis date 18 avril, environ 2800 moun te joignent arrestation yo sous 50 différents campus université. Un chiffre qui est basé sur rapport à déclaration université et agence qui fait respecter la loi dans le pays, Tebay, pour VOA Creole. Valérie Saint-Louis.
Merci Valérie Saint-Louis, d'après toujours ici aux États-Unis, ancien président républicain Donald Trump, t'es retourné jeudi encore dans le tribunal, dans le cadre procès sous silence, il était acheté, et dans le cadre relation amoureuse, bouboutage qu'il a gagné avec Stormy Daniel, qui c'est un vedette porno. Dans le moment où il est entré dans le tribunal, là, il était fait connaître qu'il prend un gros recours par rapport à interdiction pour l'équipe constitutionnelle, pour ne pas dire rien sous témoin avec jury pour le kembe et silence. Dans la même occasion, il déclarait que l'attitude président Joe Biden vis-à-vis Israël, c'est un scandale. Et lui-même dit si un monde juif t'a voté pour Biden, c'est à pion honte. Li abandonné Israël, li fait un mauvais bagaille. Fondi que Stormy Daniels, qui était qui dans 5% historique ça, t'est retourné tout dans tribunal après il était passé environ 5 heures mardi qui s'est passé là. Côté que l'État fait un paquet de déclarations, un paquet de témoignages, un paquet de révélations sur relations sexuelles qui ont été gagnées avec ancien président et un avocat ancien président qui dit que son fille tête n'est pas droite, son fille qui voulait à tout prix que ancien président allait dans la prison. Et puis nous parlons dans l'Amérique latine, élection en valeur dans le pays Mexique, côté même prisonnier qui peut juger capable de voter. Gentil Augustin Junior. Pour première fois, prisonnier qui peut juger dans prison Mexique, t'est voté dans élection avant l'air pour président à hier mercredi 8 mai 2024 là, dans un centre de détention côté yo fermé. Nous juste espérer que yo respecte parole yo, plus que tout l'autre bagaille, pour la vie ka vinn pi bon pour nous-mêmes ak fami nou yo. Prisonnier kap tan jugement ou soit condamnation yo, t'est commencé voter depuis lundi 6 mai 2024 là, dans élection présidentielle Mexique dans prison yo, yon première fois pour nation Amérique latine. Para mí el mensaje más importante es decirle que message qui pi important, c'est di yo comme yon autorité électorale que nous reconnaît droit yo, parce que yo c'est moun ki poko jugé. Ça veut dire yo poko condamné. Qui donc, yo toujours gen droit vote politique en vigueur yo. Boîte vote yo te déposé sous table dans auditorium nan yon prison garçon nan ville Mexique pou prisonnier yo te marqué ak lan ki pa ka effacer pour montrer participation yo bien bonnet nan élection déjeun. Es muy importante garantizarles que su voto. Li très important pour nous garantir que vote yo jodi a. Personne pa pral konnen et puis yo pral compter ak secret. Même précaution ak res vote moun ki pa nan prison yo. Ça c'est yon matin historique. Pas seulement dans la ville Mexique, mais à travers le pays. Dans la même prison, messieurs, dans la ville Mexique, 354 dans 1862 prisonniers ont joint autorisation votée après un tribunal électoral a décidé dans l'année 2019 que les prisonniers qui ne sont pas condamnés ont le droit de voter. D'après le gouvernement, à peu près 31 000 prisonniers dans le pays, environ 13% dans le total, là, qui plus passé 230 000 prisonniers, ont rempli les conditions pour voter. L'Institut électoral national Mexique a déployé 81 bureaux de vote dans la prison. Prison Lio sorti lundi 6 mai pour arriver 13 mai 2024 là les votes avant l'air yo pral fini dans élection des gens yo mexicain yo pral gen pour éli yon président 128 sénateurs ak 500 députés. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior. N'a pral retourner dans pays d'Haïti côté que gon sujet qui nan centre actualité à ces questions canal là avec toute suspicion qui gagne avec rapport qui sorti et puis surtout avec inondation qui te gagne dernièrement là. Nous pral rejoindre correspondant nous Jodley Junior Saint-Ville qui lui-même et depuis lundi te fait un chit attendé sous question ça. La pluie cap tombé depuis week-end passé a s'arrêté presque sur tout pays a. La cause rivière massacre descend ak en pile force. Ça li pas fait gros dégâts dans canal là. Sinon, yon pote li décollé dans bassin rétention an. Ça li pas représenter gros problème pour fonctionnement canal là, selon ingénieur Loubens Gilles à Cléo Mendorville qui dit yo fier pour travail yo faire. Pendant yo considérer ça passé a tant qu'yon test sur canal là. Et beaucoup de pas nous c'est déjà fier de travail non. On est confiant dans le travail que nous faire. Ingénieur Cléo Relim, il dit ingénieur, mais il dit que il a débordé. Et que travail nous on les cacher. Donc puis je me plus proche et puis sous peu me retourner. Et n'a dit que son prend l'idée là, doit arriver sur plateforme ça. Doit monter à plus de 5 mètres de hauteur. Donc lorsque doit monter nous mêmes comme ingénieurs, nous pas inquiets du tout parce que nous sommes confiants dans le travail que nous faisons. C'est peut-être que riverain yo avec inquiétude que de l'eau déborder sur terre naturel là qui t'inquiète. Mais nous même côté pas nous c'était déjà OK. Donc encore une fois, doit monter test en fait, c'est confirmé, mais nous même côté pas nous c'était déjà OK. Maintenant, nous avons fait calcul. Et là, nous avons prédimensionné l'ouvrage à contrainte massacre. Parce que massacre est à peu près 400 à 500 mètres qui peuvent passer côté. Nous avons assuré nous bel et bien pour l'ouvrage nous-mêmes, nous faire résister à contre-force massacre. Ça veut dire que c'est ça qu'on a fait toute mise en œuvre pour Gabionadio.
Malgré test sous canal la réussi, selon des ingénieurs, Cléo Medorville et Loubens Gilles, gagné une menace quand même sous tête canal là qui peut finir net. Et yon quoi, fini à travailler yon journée jodia, c'est yon urgence. Maintenant, yon a inquiétude que nous partage avec tout le monde parce que c'est visible, c'est en amont là, vous regardez là, faut que nous te fait déviation pour te travailler dans l'immunité rivière qui est exactement en dedans rivière là. En amont et en aval, on te cise des terrains naturels pour pouvoir te dévier. Mais à force que y a un problème moyen, on va finir de faire travail là. Parce que doit monter, les traverser. Et comme si je regarde le mur de soutien qui est en face là, il va être comme une sorte d'île qui est en mi-temps rivière là. Donc c'est celui qui est ça. C'est ça qui s'attend. Donc il y a nécessité pour nous finir avec lui. Non, voilà, c'est une obligation même. Déjà, ingénieurs ont annoncé travail pour le reprendre. Oui, soupe, aussitôt que rivière la descente, c'est sur certains comités. Nous-mêmes, comme ingénieurs, nous sommes déjà disposés, disponibles. Là, ce comité qui va mettre matériel et matériel à disponibilité pour nous avancer. Jodelet, Junior Saint-Ville. Depuis Wanamet, au VOA Creole. Merci Jodelet, il y a un autre aspect encore sous dossier ça que nous avons pour nous aborder. Donc nous avons pour nous retrouver encore Jodelet Junior Saint-Ville, toujours sous question ça. Nous pratiquement arrivé là. L'autre information que nous portons pour vous, eh bien nous parler directement dans le dossier ILCC, côté juge Mélan Belab, lui-même l'été tendu ancien sénateur Garcia Delva, juge Mélan Belab, tendu ancien sénateur Latibonite là, eh bien lui-même c'était hier jeudi qui était 9 mai 2024 là, ancien parlementaire a été allé devant juge là à cause des accusations lui-même l'été gain sous l'oul dans quatre dossiers corruption unité lutte contre corruption qui c'est ILCC, eh bien lui-même mieux te joindre qui gain dans chambre sénat après juge là lui-même qui c'est juge instruction pourquoi il est là Mélan Belab cap mener dossier lui-même il était fin arrêté et puis libéré secrétaire général sénat qui c'est Marinelli Vepil Boyer et bien sous 8 jours qu'elle était kembel ancien sénateur Garcia Delva lui-même sous l'autre Bopal l'été répond avec invitation puisque enquête ILCC a dit que ancien parlementaire te gain 5 machines qui n'en mêli et bien qui pas de chambre remettre même après mandat li même l'été fini 15 novembre 2023 qui te saute passé à la unité lite contre corruption li même l'été transféré à travers un document yoté publié et bien te gain plusieurs noms anciens parlementaires qui impliqué dans dossier à takou Hervé Lénine Foucan, Garcia Delva, Joseph Lambert, Wanik Pierre, Francisco de la Cruz, Willow Joseph, eh bien, plusieurs autres côtés avec Clovis Obas, Wolf Papillon, avec François Malet, bébé, c'était un non-citoyen, ça y est, même Mayota a demandé pour la justice de poursuivre, eh bien, il y a tout pas de l'aldimagie Aldiniel, la demande de raison à nous pas connaître, Aldiniel t'assemblé lui-même, il est vraiment pistrique, il est pour passer mal, c'est lui qui te mette sur ses chances dans la prison, eh bien, il y a même paraître devant mes labs sans aucun problème, n'a pas souligné. Organe atik sa li même qui gen pour mission combattre corruption avec protéger administration et bien public yo te mandé pour yo te mettre action publique en mouvement contre moun sa yo à cause de 13 machines l'état yo même yo pas remettre pendant mandat yo décision sa li même qui t'a pral prend chez atik 5.4 la loi 12 mars prévention avec sanction contre corruption Garcia Delva te tande juge là mais yo pas kembe donc yo pas kembe Garcia BRH et bien dit exercice fiscal 2023-2024 là et bien gen gros difficulté pour 6 premiers mois yo dans un rapport Banque République d'Haïti li même publié hier jeudi 9 mai 2024 là côté li fait connait moitié année fiscale 2023 pour arriver 2024 là économie haïtienne continue à subir conséquences négatives yo et bien qui la cause choc interne avec externe qui baillon évolution principale ak indicateur économique qui disponible pour période ça dans niveau international dans bataille yo tap mené contre inflation dans plusieurs pays et bien au fait connait que yo kembe yon mezi restriction dans force relatif taux intérêt important yo dans contexte géopolitique là et bien selon projection qui fait entre fonds monétaire international qui c'est FMI avec organisation pour coopération économique avec développement qui c'est OECD et bien mais ça yo même en général à travers momentum croissance économique yo même yoté prévoir après COVID-19 qui te saute passé à niveau national système productif là il était victime dans conditions climatiques avec tension sociale avec politique yo même qui continue mettre pied sous économie haïtienne yo fait connait que Banque République d'Haïti sous crise économie pays a lui même l'a connait
Banque centrale a continué pour expliquer que yo même fermé divers ports avec aéroport international tout saint l'ouverture là dans mois février qui était passé là et bien il y a gros conséquences sous évolution prix qui baillo et bien sous souligner tout li même touché plusieurs familles qui étaient déjà dans problème pas ca manger dans pays a problème social avec politique gain gros conséquences sous fonctionnement système productif là. Pratiquement dans tout secteur activité yo même pendant 6 derniers mois yo là alors que pour reprendre activité production yo même ça dépend des fonctions amélioration conditions sécurité c'est ça responsable souligner et bien par rapport avec montée prix produit premier nécessité yo à cause de insécurité à même cap vinn pirèd sur territoire national là malgré toute difficulté ça yo berage dit il prend quelques décisions politiques monétaires pendant 6 mois ça yo et bien qui en direction yo te bay politique monétaire même pour capable descendre variation fluctuation et bien dans échange pourcentage l'argent avec pour gagner pourcentage augmentation en prix consommateur et bien sans yo même yo passer recondition monétaire continuer gérer l'argent liquide qui dépasser à travers bon BRH là avec intention sous marché échange là les même à l'étranger pendant yo même y a kembe situation dans sa gain pour wè avec pourcentage important yo par rapport avec réserve obligatoire et bien pour finir Banque République d'Haïti mentionné situation violence nèg exam yo même y a fait yo et bien yo la cause diverses entreprises révoquer une quantité moun qui t'a travaille ak yo dans factory yo yo diminué dans un pourcentage qui vient égal avec 45% sorti septembre 2023 pour arriver mars 2024 là et bien ça qui au total de 29 000 travailleurs et bien qui perdit travail yo et bien une situation qui pas différent avec un pilote entreprise dans plusieurs autres secteurs dans pays d'Haïti projection économique là arrêté sous doute et bien pour l'autre mois qui vient là d'après estimation autorité monétaire pendant ça dirigeant banque centrale yo prévoit reprendre que activité économique yo même yo capable reprendre si gagnon amélioration dans situation sécurité a puisque yo dit et bien ça ca encourager surtout dans production c'est not si là que banque centrale yo même yo ta meté dit on a rappelé banque ça et bien nèg exam yo même yo té pillé et bien yo même yo étant à parler la bagaille yo vinn plonger pi fond urgence humanité qui gagne en Haïti et bien li vinn pi grave chaque jour qui passe selon OCHA. Dans une série de rapports que même été sorti toujours pendant journée hier jeudi 9 mai 2024 là organisation bio nations unies pour coordination des affaires humanitaires qui c'est OCHA et bien le fait qu'on ait situation humanitaire au vin plus grave dans pays y a souligné tout et dans moment ça secteur santé a gros difficulté même gens avec dossier manger moun yo même yo pas capable jeune pour manger dans pays y a crise continue a fait besoin santé population vin plus urgent alors que grand goût continue à menacé pour tomber sous tête mon YouTube d'après déclaration directeur national la projet OPA et bien le même pour Haïti Didini ta Macloé et bien le même li averti si rien pas changé sur territoire national là li même li pral faire face carré avec bon gens problème pour joindre comprimé avec l'autre produit nécessaire pour la santé les consa et bien yo même qui c'est agent humanité pap ka agi nan aucun cas urgent selon ça les même li di yo l'autre côté tout yo signalé que problème raté gaz là les même qui augmenté la vie chère et bien yo te tout profiter par les des sous danger quelques ti moun qui vinn représenter dans société a puisque groupe nèg exam yo même yo forcé en pile là dans yo rentrer dans gang tandis que gen l'autre tout qui rentrer pour intérêt pa yo et bien yon situation organisation internationale là les même li dénoncer et bien et puis conseiller pour pi wo yo même yo agi pressé sou kasi la yo pour ça qui gen pour wè avec manger jusqu'à présent au chafet qu'on est indice insécurité alimentaire nous les même living dans niveau 4 ça qui fait en pile moun nan difficulté pour ta manger et bien cité soleil avec quelques zones métropolitaines là c'est côté responsable même dit qui gagne plus grand goût pour moment yo là dans dossier insécurité Robinson Alphonse et bien remporté prix Percy
Franco Boza, eh bien, dit journaliste étranger de l'année. C'est Association Nationale Journaliste Noyau, eux-mêmes qui baillent Robinson Alphonse. Distinction ça et eh bien pour travail extraordinaire les mêmes les fait pendant le tap confronté en pile obstacle qui contribuer dans enrichir et eh aider comprendre et puis fait avancer moun ou bien problème yo dans diaspora africaine. Journaliste Robinson les mêmes qui t'ai sauvé en bas yon gros attaque nèg exam t'ai fait dans l'année 2022 en Haïti et eh bien après c'est après ça les mêmes dans cadre yon cérémonie qu'a fait dans Chicago pays les États-Unis na date cap 3 d'août 2024 cap vini là selon les nouvelles c'est Robinson Alphonse de même qui remporté prix journaliste de l'année à l'étranger et qui c'est un noir tout dossier PNH là et bien dossier police nationale d'Haïti et bien ISPNH lui-même li directeur police nationale d'Haïti qui c'est France LB et puis dénoncer manœuvre cap fait pour kembe divers chefs corrompus. Eh bien, allié gang nan tête la police, la syndicat yo mandé avec conseil présidentiel transition pour li voye aller LB bien rapide pas renouveler mandat aucun ancien DG police nationale d'Haïti pour police la li même li capable libérer et puis protéger avec servir population haïtienne. Nan message piment bouk ke yo même yo publié sur page officielle yo sur compte Twitter yo, semaine ça et bien syndicat police nationale d'Haïti yo même yo avili directeur la police la France LB qui bay bandi yo yon blindé et bien qui c'est priorité institution a, pour faire crime yon l'autre bon yo voyé yon pinga bay 9 membres conseil présidentiel transition qui pa doué kembe yon série de chefs nan tête police la et bien qui nan connivance ou bien qui c'est allié nèg exam yo. Nan premier temps syndicat la police la mandé pour dirigeant yo même yo fè changement pressé nan tête PNH la avec direction départementale yo et bien nan souci pour policier yo même yo capable organiser opération nan base gang yo pour récupérer plusieurs matériel si tout blindé bandi Chris la yo même yo te prend et bien nan date était 2 octobre 2022 sous commandement DG France LB et eh bien syndicaliste l'a dit même depuis les ça bandi au prend pays net parce que aucune réponse pas de jambe bail pour récupérer blindé si là malheureusement c'est blindé ça lui même qui griblé plusieurs citoyens haïtiens ak bal nan matissa nan jou qui sont passé là ISPN 17 continue pour le dit et eh bien il dénoncer toute manœuvre qu'a fait pour kembe yon bande gros chef corrompu avec complice gang qui finit avec PNH là et eh bien qui la cause en pile femme violée en pile moun mouri en pile TV violé côté policier yo même yo pas capable épanier avec plusieurs milliers de moun yo même qui a mouri bandi prend zone yo ISPNH qui c'est syndicat la police là li même li dit li pas d'accord tout pour aucun ancien chef compi qui était déjà dans tête PNH là et bien li même pour retourner comme quoi que c'est ouvert pendant yo pas régler en rien les yo même yo té nan poste si là non pas ba nous bouillon qui réchauffé qui donc article 22 loi qui crée la police là lui-même les doit respecter fois ça pour finir et bien ISPNH même qui se défense institution police là yo même yo mandé pour chef compi avec allié gang yo libérer tête yo by la police qui donc dans objectif pour policier honnête yo capable rêver accompli travail yo qui se sécurité avec servir peuple là gens ça ta doué n'a noté semaine qui sont passé à la ISPNH te mandé pour responsable yo même yo te by bon gens accompagnement tant que matériel nécessaire yon salaire normal là et bien droit pour moun yo même yo capable prendre soin gratis dans n'importe côté en Haïti et bien tout ça pour faciliter policier yo même yo fait travail dans toute intégralité et bien dossier ISPNH là et bien rapide yo pas de camper seulement là après parlant pile là bien rapide dans tweet yo continue fait pendant matin là et bien CG Edley à Saint commettre ensemble Zak yo même parce que li joine bénédiction bois politique avec commandement DGLB ISPNH mandé tout policier yo camper en face tout compromis qui décide craser police nationale d'Haïti et bien PNH là lui-même li pa boutique personne c'est policier yo qui doit protéger institution toujours c'est toujours même poste que ISPNH 17 fait sous lui policier yo obligé rivé là parce que DG PNH là avec inspecteur général là pas fait rien malgré divers actes CD Yassine lui-même li commettre dans grand danse et bien
ESPN H17 a rappelé plusieurs notes li sorti sous Kassa et bien même Jean avec Sinapouatou qui était relé derrière chef Kompia et bien rien pour que Jean marché bien rapide dans dernier tweet yo fait yo fait qu'on est bravo avec policier Idmo Grandassio yo même ESPN H17 syndicat la police là apprend après tout Zak CD Yacinthe li même li fait nan Grandas et bien dernier c'était conteneur police nationale officiel là li même li te van avec yon particulier et bien policier il nous décidé fermer biwoul à cause des actes corruption avec abi sous policier pourquoi il est là et bien Yacinthe li même commissaire Yacinthe d'assemblée biwoul fermer selon ça ESPN 17 li fait qu'on est bat bravo avec policier Idmoyo et ben après appelo Yacinthe ça yo parlé en pile délit pour dossier corruption parce que li fait partie nèg corrompu au France LB tout yo même qui fait qu'on est que blindé que Chris là même yo te prend dans zone 12 octobre 2022 qui te saute passé à là et ben France LB dans corrompu tout li pas chercher récupérer blindé si là et ben ESPN 17 a fini avec DG la police là et ben qui pas moun cap fait bon travail il mandé révocation là bien rapide tout dans tête police nationale. Pays Brésil, eh bien, inondation dans site Brésil, au moins 100 moun yo même yo avait perdu la vie. Ou après 100 moun perdu la vie, yo, eh bien, 128 l'autre yo même yo disparaît après gros la pluie qui était la cause inondation sous pareil dans site Brésil, eh bien, ça rapport défense civile pays a même li publié avant mercredi 8 mai qui sont passé à la rapport qui était paraît avant lui même li te montré au moins 95 moun mouri avec 131 l'autre qui était disparaît dans état Rio Grande do Sul qui pendant toute semaine passée là était en bas frappe mauvais temps extrêmement qui était vraiment violent dans pays Brésil mes amis en pile monde disparaît et en pile tout même yo ta mouri qui donc ça disparaît ou puis semble à la mort un soldat américain qui était joint arrestation là dans pays là aussi et bien dossier si là qui fait parler en pile et qui choque monde là vraiment fort et bien Pentagone lui-même lui dit m'a dit un soldat américain qui autorité russe même yote arrêté dans la Russie té voyagé aller dans pays ici là pendant lui-même il était en vacances malgré interdiction département défense avec département d'état lui-même il était gain sous lui autorité américaine ou dit que soldat ça lui-même li passé par la Chine pour lui aller là aussi sans autorisation militaire lui-même pour voyage là qui donc autorité là aussi même yo dit soldat que l'armée américaine était identifié comme sergent Staff Gordon Black et bien rejoint arrestation en bas accusation c'est pour vol et bien qui s'est passé Black était dans pays Corée du Sud et bien il était doit retourner Texas mais porte-parole Pentagone lui-même qui c'est Sabrina Singh lui dit au lieu pour l'été retourner aux États-Unis Black te prend avion sorti dans Corée du Sud et il passé par la Chine et puis arrivé dans pays là aussi côté là aussi même pour raison personnelle qu'on y a là Black lui-même lui fermé dans détention préventive côté il attend jugement moi comprendre il pral rester là jusqu'à ce que la justice tende Kalia moi pas certain dans qui date c'est département d'état lui même qui bail détail sur ça comme ça la mais a dit que ministère intérieur russe a informé États-Unis dans date 3 mai 2024 qui sont passé là que Black lui même l'état jeune arrestation li dans jour avant pour vol propriété personnel ministère intérieur russe a dit que une femme de 32 l'année lui même li était déposé une plainte contre prévenu et bien lui même qui gagne seulement 34 l'année monsieur dame lui même était rencontré Corée du Sud et puis Black lui même li était al visiter Lina là aussi d'après ça ministère lui-même lui dit ministère dit tout discussion TPT entre yo et bien et puis Pita Damna lui-même lui était déposé un rapport la police et puis accusé comme voler l'argent Black te joint arrestation Lina un hôtel local après lui-même lui était fin acheter un ticket avion pour retourner la caille ministère affaires étrangères l'a dit que dossier lui-même li pas gain aucun élément politique là-dedans et pas gain aucun accusation espionnage qui donc là aussi lui-même qui déjà pas fin gain trop bon goût bougou avec pays États-Unis et bien Black lui-même qui t'a allé là bon pas qu'à conseil politique malgré qu'il pas gain ou pas ni dossier espionnage mais ou pas jamais vinn connaît parce que pays ça eux-même yo toujours dans dossier qui gain pour avec conflit
yo yon yon bal cocaïne ti poudre là les même qui vaut en fait de 1 million dollars dans Floride yon total de 29.5 kg 65 livres ti poudre là et ben yon balé les même li te joine mercredi ça là qui saute passé à la par yon nager les même sous yon plage dans Floride key avec yon valet dans la qui gagne approximatif 1 million dollars qui ben border patrol ISPBP te rapporté qui sorti dans Miami secret nager lui-même li te fait autorité ou connaît découverte li a avec yon agent qui sorti dans ISBP avec bureau shérif là lui-même qui te continue récupérer paquet que vague même yo te traîné sous plage là dans zone touriste là dans état Floride image là lui-même qui n'a pas rouge fontier a montré que yon sachet plastique marré avec code et puis donc là les mêmes li andan mes amis pays a les mêmes bagarre yo continuer y a kembe malgré grand pile zone qui vient pour avec dossier espion mais yo continuer pays d'Haïti pour fini et bien a faut qu'on est arabe les mêmes qui t'est sorti dans prison là la police mette à vie de recherche derrière pour dossier invasion en prison dossier qu'il fait violence aussi il fait complot contre l'état qui donc bagaille pas facile pour arabe parmi tout prisonnier yo mette mandat de qui s'empile et bien arabe tout le monde connaît les mêmes qui c'est mutil maslin alias arabe et bien la police tout yo la gris coucou des arabes et Guy Philippe qui t'a parlé il fait qu'on est arabe sous menace en pile partisan nèg yo même yo victime dans dossier pays qui nèg yo déjà corrompu et bien il continue à sibi mauvais traitement et en pile moun ni continue tap mouri après li même li ta fin annonce révolution il fait connait le pè dan pile nan sid a jambe sap yo te touye nan mel et bien arabe li même pourquoi li la li poko libre après li te fin sauvé nan prison les pénitenciers te crasé. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec ou même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous pouvez ou capable faire sentir travail n'a pas arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça partager vidéo avec vos amis vos familles une façon lui même pour capable joindre information à tout et pour ça on aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passée pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.